Bonjour, je suis Charline Labonté. Et je suis Katia Clément-Hédrad et nous jouons pour les Canadiennes de Montréal. Aujourd'hui, nous allons vous donner des trucs et conseils pour les tirs de barrage et les échapper, autant d'un point de vue d'une gardienne que d'une attaquante. Pour une attaquante, la clé pour avoir du succès en échappée ou en tir de barrage est la patience. Vous voulez forcer le gardien à faire le premier geste pour pouvoir lire le jeu et réagir à ce qu'il vous offre. Pour vendre votre manœuvre, la clé est de transférer votre poids d'un côté à l'autre. Faites un transfert de poids pour le provoquer avant d'aller dans l'autre direction. Une feinte de tir est un autre excellent moyen pour que le gardien fige et pour vous donner une chance de faire un tir rapide. En tant que gardienne, j'utilise la technique Y à l'envers lors des échappées. Vous voulez sortir de votre filet pour défier la joueuse avant de revenir vers le demi-cercle lorsqu'elle s'approche. Suivez-la ensuite vers la droite ou la gauche en poussant vers les poteaux en position papillon. Vous voulez demeurer devant la joueuse le plus longtemps possible. Demeurez compact face à la rondelle et soyez patient.